Bon bah, Salut tout le monde, c'était pour vous montrer comment entailler une haie en fait. donc il n'y a rien de Très compliqué là-dedans. Bah déjà, si vous utilisez du matériel thermique comme le taille-haie thermique, je vous conseille un casque parce que ça casse les oreilles. Même y mettre un masque parce que ça fait des vapeurs. Il y a l'échappement qui est là, donc on le respire. Voilà, donc je vais vous montrer vite fait. On va commencer par les côtés et ensuite on fera le plateau sur le dessus. Et vous verrez comment ça prend vite fait, bien fait, une belle tête. Ça y est, la haie. Ça y est, la haie, elle est finie. Hein. Bon, ça fait propre. Hein. Voilà. Bon, il y a un petit creux en fait à ce niveau-là. Mais la haie a toujours été dans ce sens-là, légèrement en descendant. Voilà. Bon, j'ai passé la tondeuse par la suite, qui a un rôle un petit peu d'aspirateur en fait du jardin. Ça ramasse toutes les miettes. Donc en fait. Du coup, il n'y a même pas besoin de passer le râteau, limite presque pas. Voilà. D'ailleurs, concernant la tonte, l'idéal c'est de commencer en fait par les contours avec la débroussailleuse et ensuite de passer la tondeuse parce que, bon, pareil, la débroussailleuse va en foutre partout et ça va permettre de tout aspirer par la même occasion. Ma petite tondeuse, voilà. Donc une bonne tonte bien court. Là j'ai fait dans ce sens là on voit bien les traits parce que c'est le poids de la tondeuse hein, qui fait qu'il y a des traits comme ça. L'idéal c'est de faire une fois sur deux, une fois dans ce sens là une fois dans l'autre sens pour pas en fait faire de trous dans le gazon. D'ailleurs pareil là bas c'est je viens de tailler la petite haie qui est juste là et donc voilà. Donc c'était ces petites choses-là que je vous disais de pas oublier là. Voilà, il y a deux, trois petits trucs. Hop, à retirer. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de faire du bon jardinage, hein. Et puis bah à la prochaine.